Hey, salut à tous les amis, c'est Asté. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 26, je crois, de The Last of Us Partie 2. Où, du coup, je fais vite fait, je dis bien et j'espère vite. Pardon? Hello you. Tout ça pour un gosse et une meuf? I'm like, bro, do you need that much? La mise au point, elle est pas faite. C'est quoi ces espèces de tanks? Ok, 4 balles et... Ok. Oh boy. Ok. Bien sûr. Faisons ça. Donc eux au CAC prennent 4 millions pour crever. Il y a une meuf à gauche là. J'allais dire, et si on les esquivait? Ça semble comme une bonne idée, non? Bon, je vais tenter mon coup, tiens. D'accord. C'est pour moi. J'ai vu quelqu'un passer ou pas? C'est pas moi, je suis pas là.
fait du bruit, ça. Oups. C'est vrai que ça marche pas comme l'arc, c'était du gaspillage. Je voulais préparer mon tir, je suis un gros débile. J'ai stressé. Aouh! C'est dégueulasse. Moi, c'est dégueulasse. Non, j'ai mal joué, mais. Arrêtez de m'appeler, putain. Voilà, niquez-vous, hein. Et avec ça, ils ne me retrouveront jamais. Et putain, mes volets sont fermés. Bon. C'est pas par là qu'on était monté nous la dernière fois? Par ici, par cette fenêtre? Écoutez, on a niqué tous nos surins par contre, du coup, sur ces gros ports. Quasi tous nos surins. On a gagné une. On a gagné une nouvelle arme de corps à corps juste pour le troll. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est par là où j'étais déjà passé. J'ai déjà looté tout cet endroit là. Donc à part si je peux faire quelque chose de nouveau, j'en doute. Ah bah si, putain, l'arbalète, c'est vrai qu'on m'avait dit que... Ah ouais. Oh, hé hey. Non mais... Mais je vais les attacher. Net x4. Ça c'est Borvo. Borvo il m'a dit... Net x4 sur l'arbalète, c'est que c'est goldé. Je vais attacher mes volets, je reviens. Facile, pro gamer. Ça, c'est fait. Comme ça, je vais avoir une F4 sur quasiment toutes mes armes. Bon, j'ai un peu gaspillé un. Ah non, je suis mort depuis, j'ai rien dit. Je suis mort entre temps. Y a pas de souci. Et les autres Seraphites, rien? Non, bon bah rien. Shit. Kid? Well, well, well. Merci pour les munitions, ça fait toujours plaisir. Il a l'air de s'être bien, très bien débrouillé, le gamin. Ah! Don't come any closer. It's me. Tic.
Comment tu vas, gamin? Sorry. How's she doing? Comme quoi, la foi, ça t'emmène pas très loin, hein? Ah, c'est rouge. C'est tellement rouge. Lean into me. Where are you taking her? Come on. Ouch. What are you doing? I'm giving her a chance. C'est pas comme si t'avais le choix. Oh, c'est aussi facile que ça? Je dois pas repasser à travers les... C'est pas grave. J'ai pas tué tout le monde, hein. Il en reste en vie, hein. Hey, Owen, wake up! I'm here. Mais elle est arrivée. Those non? Scars? I need whatever medical supplies you have. Put the phone down. It's okay. Put it down. Alex, put shut up. Alex, put the stop. Phone down. Alex. Ouais, elle est arrivée. Lev, lower the bow. It's okay. Abby, who are these kids? They saved my life. Can you take a look at her? Stay out. This is Yara. C'est la sœur de Theon Greyjoy. What did this? A hammer. It wasn't me. Let's lay her down. Can you feel this? Yara. No. I was gonna clean it and try resetting. The bone's shattered. Nice. She has compartment syndrome. What does that mean? C'est quoi, c'est des bulles d'air ou des conneries comme ça, non? Entre les os? It means it has to come off. Oh. She's a soldier. You can't take her arm. Il y a plein de gens qui se débrouillent dans ce monde-là. Hein. Just make it stop hurting. Please. Ça va mettre du temps. What do you need? Ideally, a saw, sutures, clamps, antibiotics. But we're far from ideal right now. We have knives, fire, cut, cauterize it. She would die from infection. C'est le but de cauteriser, non? Make me a list. I'll go to the hospital, I'll get It'll whatever take you need. All day to get there. I don't mind. It's not about you, Abby. She doesn't have a couple of days. What if I can get you there in 2 hours? The Wolf Hospital, right? On the west side? How? Bateau? We built bridges. What? High up. It's how we get around the flooding and... you people. Entre les bâtiments? Entre les buildings? Can't handle 2 hours. Fuck! Probably, yeah. So make a list. Wait, are you serious? These bridges are used by SCARs. They only send in small groups at a time. You heard that, small groups. This isn't a joke. Lev? May she guide you. May she protect you. Bande de fanatiques! Abby. Abby. Et comment elle est arrivée jusque là, Mel? Elle a pas traversé, elle a pas fait tout le chemin. Elle était pas là ce matin. Elle était pas là. Bon bref. Hey. On oublie. What? On oublie. Did you steal my keys? Sorry. Can I talk to you? Comment elle est arrivée, Mel? Tu peux me le dire? Why are you doing this? Look, she just showed up. Oui. Comment? She knows about last night. I don't care about last night. Sure, ça se voit. Well, I do. Which one?
you know what you're doing. Ok. C'est donc ça le jour 2. Yes. Yeah. We were lucky Mel was there. She's one of the best surgeons in Seattle. Mel. What's his name? The man? Owen. Mel. And the dog's Alice. I don't like dogs. C'est super bien les dogos, c'est quoi ton problème? Get to the really tall buildings. The bridge is there. Path ahead kicks out toward downtown. The really tall buildings. You gonna be able to get us the rest of the way? The route starts at the edge of the rushing water. You can get us there, and I can take over. These bridges are really gonna get us over the rapids? Yeah. All of them? Yes. In just a couple hours? I'm not lying. Okay. C'est normal d'être suspicieux, tu me diras. Fuck! Dans le brouillard! Ok, then. She dies. She'll have to try to do the surgery with what Owen has around. It's not. That wouldn't be good. C'est même moins qu'idéal, dis donc. Do you think she'll make it? If you get the supplies, yeah, she'll have a good shot. Sinon, ça va être un peu le dawa. Je te le cache pas, l'IFE. Ok, c'est donc une search quest. Salut toi. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais ok. You know our dogs can play cards like that? I'm 13, not 8. You're the size of an 8-year-old. Do other people think you're funny? Fuck you. C'est... What's compartment syndrome? If too much pressure builds up in your muscles, the blood can't move in and out of the tissue. Oh. Tissue? Kind of like the skin inside your body. How do you know all that? J'ai appris. I grew up around doctors. Like Mom. Mon père était un docteur. Chirurgien pour être précis. Fuck. Non. Ça me sert à rien d'aller là. Ok. C'est donc l'improvisation. Si! Ah merde! Non! Ow. Ouais, si! Just stay put. You know, when you're jumping, sometimes a running start. I know how to jump. Il essaie de m'apprendre ce que c'est un running start, il est drôle. C'est gentil, Liev, c'est gentil. Hold on. What? 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 Cool. Qu'est-ce que t'as fait? Comment? What? Mais je t'ai... What? Mais je t'ai pas vu! T'as sauté depuis ici? Ah. Bah, bien joué. Non, les médicaments. Ok. Well, well, well. Ouais,
On dirait une quête de milieu de game. Donc, moi, encore une fois, je suis très en mode... Pourquoi vous m'avez pas donné ça avant? Vraiment? Pourquoi est-ce que vous avez pas intercalé avec... You've been to these sky bridges before, right? Yeah. You think we're gonna see a lot of scars? Seraphites. I don't know. You gonna be okay if we do? I was yesterday. Yeah, but those guys were hunting you. They're all hunting us. Oui, et pourquoi? Quelqu'un peut... Tu peux m'expliquer la situation, Polo? Non, la flemme. Oui, c'est bon, comme si c'était... Enfin, comme si c'était important, comme on dit. Ok, rien. Rien. Fine. 38 munitions pour le pistolet de chasse. Bombe Toyo améliorée. C'est bon, ça. Elles auront un rayon plus étendu. Je peux créer un silencieux, là? Oh. Bah, je vais le faire, I guess. Toujours ça. Toujours ça de prix. Avec un peu de chance, on aura enfin un contexte un peu différent, là, en l'air, avec de la verticalité, ça sera drôle. Sauvez-moi par pitié! Envoyez-moi n'importe qui, un Wolf, un Seraphite, tout autre, je m'en fous. Je ferai tout ce que vous voudrez, je me balafrerai, je descendrai des connards de la Fédra, j'en ai rien à foutre, je vais pas crever ici, je vous en prie! Aidez-moi! S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces! Attends, je vais venir te voir, 5 secondes, j'arrive. J'arrive, Polo. Je pense être un peu en retard, mais j'arrive. Watch the glass. Ah, tu t'es suicidé? Je suis plein, lol. Et bah, tu t'es bien barricadé. Et au moins, t'es mort de ta propre volonté. Mais malheureusement, personne n'est venu t'aider. Voilà qui est triste. Tu peux même pas tricher et récupérer plus de balles. C'est dégueulasse. Y'a rien là-bas? Non, ok. Ah ah! Bah voilà qui me plaît pas. Alors j'ai rien contre toi personnellement, gamin, hein. Vu que, comme on dit, t'as l'air un peu plus modéré. Mais vous me faites bien chier, vous, les fanatiques religieux. Passer par dessus là? Non. Ok. Ah. Oh, fuck. Putain, pauvre Abby. Qui a le vertige? I'm fine. Ouais. I said I'm fine. I'm fine. C'est quoi, c'était celui-là? C'est ça, non? Oh boy. Comment ils ont fait pour construire des trucs sans qu'on le voit? Ah, tu veux en parler? Ah non, d'accord. Je pensais que tu pouvais en parler. Getting closer to your tall building. Hmm. Blair. Salut, c'est papa. Ah bon, c'est ça la suite du bal?
Where were you headed? I don't know. Just away. I can. So you gonna tell me the real reason why they're sympathiser avec ça. I did. They want to kill a little boy because he shaved his head. I wasn't allowed. It's a rule. Jesus Christ. Jeez. So why'd you do it? I don't know. Pretty punk rock of you. Punk rock? C'est pas ce que c'est. I get the impression you don't follow most rules. Hmm. I guess so. Chère voisine, nous, c'est Sam et James. On habite au 302, on savait pas qu'il restait des gens ici. Faut pas avoir peur de nous. Voici un petit quelque chose fraîchement sorti du four. Sam, merci pour le pain de maïs. Ma mère m'a dit de vous donner cette bouteille de vodka. J'espère qu'elle est bonne. Pourquoi vous n'êtes pas parti en car avec les autres? Moi, c'est Julia. Ma mère s'appelle Heidi. Julia. Où t'as trouvé cette vodka? C'est génial! On est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les refuges. C'est la voie de la jungle, les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. N'hésite pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ta mère et toi. Sam. Merci encore. Je regarderai si je trouve de la farine pour prendre maïs quand je sortirai. Ça a changé ma vie. C'est gentil de proposer d'aider ma mère. Ce serait pas de refus. Je vais sortir chercher des provisions, mais je reviens ce soir. Vous n'aurez qu'à frapper. Oh non. Les Scars ont vu James cuisiner sur le toit et l'ont abattu. On a tué deux, mais troisième affilé. Je laisse notre porte ouverte. Quelques raisins dans notre coffre. Le code, c'est notre numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-vous. Sam. Oh. Je ne peux pas abandonner ma mère. Je vais barricader notre porte et croiser les doigts. Vos affaires seront toujours dans le coffre. Je ne sais pas tirer. S'ils arrivent, on lèvera simplement les mains. C'est triste. Julia, Mo, Richard, Home. Cleared, infected. Ok. Hang on a second, c'était pas là, c'était... D'accord, c'était vraiment la suite en fait. Donc à part s'il y a autre chose que je peux looter, mais je pense pas. Oh. Pardon, j'ai pété la vitre. Donc là on est dans le bâtiment qui se trouve être home, I guess. Le fameux coffre. Donc le code, ça va être 302, puis quelque chose d'autre. Du coup. Notre appartement, puis le vôtre. Ok, bah trouvons ça. Une batte de baseball, non. Je vais garder mon gros marteau. Juste pour le troll. Oh, il avait des figurines. Oh, c'est des Space Marines. Ouais. Oh là là. Trop mignon. Il a colorié ses figurines. Et après, il s'est fait abattre. Pauvre petit. Ok, on sort de l'appartement et celui de Julia devrait être juste à côté. Celui-là du coup. J. Kennedy. M. Jakub. Et Airwood. Et là, S et J. Sam et James. Donc ça va être 302-304. Ok. Ça. Ouais. Yes. Tac. Si. Si.
Et je suis plein en munitions de tout. J'en ai pas. Vous imaginez même pas à quel point j'en ai marre, putain. En tout cas, elle recharge plus vite qu'avant, ça c'est clair. C'est bonus. Oh. Et il n'y a rien à looter. Par contre, il y a des infectés, il m'a dit. Ouh là là, ok, je tombe pas là-dedans. Il avait prévenu que the coast is not clear. Normalement, en tout cas. D'accord, donc c'est là qu'il s'est fait abattre. Pauvre gars. Par des scars en plus. Y'a rien à récupérer. Bon. Tant pis. Oh. Nice. How long you been using that thing? My bow? Since forever. You're good with it. You should have seen Yara. Oh, comment ça bouge beaucoup moins avec le visage. Ah, parce qu'elle t'a protégé? Be cruel. My mom would say that about wolves. Well, she wasn't wrong. I'm scared for her. Why? People will blame her for what I did. Well, c'est vrai que c'est une question de responsabilité, mais bon, que veux-tu? On connaît pas assez la société des Scars pour savoir à quel point c'était stupide ou non pour lui de faire ça. Ah! Runners. We gotta get through there. Demon, to your right. Et je dois péter la fenêtre. C'est pour ça qui me fait chier en fait. J'ai aucun moyen de. Si, par au-dessus peut-être. Mais il va m'entendre quand je vais arriver à côté de lui, non? Bon. Ah, je peux pas? Ok, je peux pas. Dans ce cas-là... Et on va attendre. Oh gloire! Oh gloire! C'est fini? Woo boy! A lot. Oh le framerate. Oh le framerate. Oh la 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 la. Salut toi. Voilà, deux petites bombes. Toujours ce qu'il faut. Oh my. Et après t'as le jeu qui est là. T'aurais pu être sneaky. Engin, à ce niveau-là, je pense que si j'en avais quelque chose à foutre, être sneaky. Deux clickers, trois runners, un chambleur.
Nuh-uh. Pas chez moi. Si j'ai les ressources, ça part en bombe ici. Hein. Plus je vous dis, je suis en difficile, alors j'imagine même pas quand tu joues le genre facile. C'est pour la suite. Ouais, ça a l'air. Bah, il y avait étonnamment pas grand chose à looter ici pour le nombre d'ennemis qu'il y avait. Bon. On va faire ça, hein. Par là? That water has picked up a lot of speed. I need you to be really careful, okay? I've done stuff like this before. Yeah. Ah bah pas moi. Je pense que je le dis tout pour me rassurer en fait. Oh, ah. Celui-là, je le sens mal. Yeah. J'ai rien dit. Eh bah bien joué Lief, tu es fort, tu es doué. On continue. Oh, on établit. Bah j'ai... Ouais. Pas sûr d'avoir ramassé grand chose en termes de scrap depuis la dernière fois. Salut toi. Je suis full munitions, mais t'as laissé une note. God damn it. Who is he? Aucune idée. I don't know. Horace, Erin cherche plein de trucs. There are thousands of us. Ouvre l'œil, on a besoin des balles pour qu'elle propose un échange. Mais quoi? Sure. Ok, il avait juste une liste de courses. Fine. C'est pas de ma faute si c'est vous qui vous défoncez les joues à grands coups de couteau quand vous faites votre initiation à genre l'âge adulte ou je sais pas quoi. Seraphite, si tu veux. Mais vraiment, si tu veux quoi. Bon, regardons ce qui peut m'apporter ce truc. Pas grand chose j'imagine, mais... Ah, quand même! Alors, capacité, stabilité, stabilité, stabilité. Oui. En fait, dès que t'as un viseur, c'est pas forcément une grosse. Un gros problème, la stabilité. La capacité du fusil, ça pourrait être bien. La capacité de balle, ouais, ça peut être utile. Ça me sert pas forcément, mais là, aucun des trucs ne va être ultra ultra utile, j'ai l'impression. Parce que dès que t'as un viseur x4, la stabilité, tu t'en fiches un petit peu. À part si t'es vraiment en close quarters, tu sais, donc. Fine, ça me va, faisons ça. Ça me plaît pas. Si. 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 Bonjour. Le propriétaire est-il là? Non, c'est bon. Ok, nos soucis. Oh. This where we're supposed to be? Ok. Heureusement que je te fais confiance, gamin. Pourquoi je peux aller là, moi? Ça va rien, ça. Ah, si, une pièce. Oui. Colorado.
plus de meds. Donne-moi de la drogue. Mais où ça mène ça? Attendez. C'est la suite ou... Je suis passé par ici. Am I going crazy? Cats. Dancing cats. People from the old time were weird. Oui. I mean, ouais, fair enough. J'arrive pas à déterminer s'il y avait juste deux chemins d'avancée ou pas. Ou si je peux aller explorer là-bas. Zef. Zef. I guess. C'est par là que je viens, non? De toute façon. Non, moi je viens de par ici. D'accord. Je peux aller explorer là-bas? Ça m'a l'air fermé as fuck. Oui, c'est fermé as fuck. Ok, fine. J'arrive, gamin, j'arrive. J'ai toujours un peu peur que genre je traverse une porte puis derrière il me fout une flèche dans plein cœur, tu sais. Mais je sais que ça n'arrivera pas vu que... Abby existe dans le futur. Nous l'avons vu. Nous le savons. Je veux pas créer de bombe là. Ah non, des explosifs, ok. Regarde si je veux pas genre... Genre... There's a way around. Oh, c'est de la triche. C'est de la triche, putain. J'aimerais bien pouvoir faire ça moi aussi. Ça me serait très utile dans un jeu comme ça. Même si Ellie pouvait le faire d'ailleurs. C'est... La pauvre. Elle en peut plus de son vertige. Ah ouais? Good for your cousin. Et il est tombé un jour, c'est ça? Si tu me dis ça, je te tue, hein. Je pense que tu le sais. This way. Ah! Okay. Comment vous avez construit ça sans vous faire repérer? C'est dingue! Here we are. Oh la vache! D'accord, il y a une vraie infrastructure et tout. Follow me. How much higher are we going? Me dis pas ça. Ouh, ok, regarde pas en bas. Ouh. Mais arrête de faire ton Yamakasi, putain. D'ailleurs, je t'ai même pas vu, tiens. Ta gueule. À diffuser, les anciens ont convenu d'une trêve avec les wolves. S'ils ne viendront pas sur notre île et n'attaqueront pas les Seraphites en transit sur leur territoire externe. Pour préserver la paix, nous devrons tous coopérer. Nos objectifs restent les mêmes, il s'agit simplement d'un autre moyen de les atteindre. C'est quoi vos objectifs en termes concrets? En fait, je, you know, just wondering. Bon, l'IFU.
Ok. How do we not find these? Wolves never look up. What does that mean? It means no matter how many people or guns you have, we'll find a way around you. Maybe you should stop saying we, since they're trying to kill you. True. Elle est pas conne des fois, Abby. Elle dit des trucs intelligents. Hein. J'en étais sûr. Prévisible. Quelqu'un a envie de montrer le bout de son nez ou... Il s'appelle pas Lef? Mais je nique ta mère, lâche. Voilà. Ça te fait plaisir, ça? Blé! Merci, Lef, ça fait plaisir. J'apprécie ton aide. Ah. Bah écoute, vas-y, viens, hein. Moi je te prends au cac hein, quand tu veux. Ah, tu veux qu'on en discute par hasard, Hubert? Bon. Il veut en discuter. Ouais, c'est ça, viens. Viens, bébé. Avec Lev qui le regarde crever. Là, au bord de l'écran, je suis mort. C'est bon, il en reste? Oh, ouais, il en reste. Let me help. I got it. Ça, ça va au coin. Did you hear what they called me? Lily. Yeah. Do you want to ask me about it? Do you want me to ask you about it? No. I honestly couldn't give a fuck. D'accord. Je suis plus intéressé par ça. Oh, je l'ai enculé. D'accord. J'ai compris what all the fuss is about. En tout cas avec ce voice actor. Tu joues un perso qui est trans. Donc on a pris un gars qui était trans pour faire sa voix. Fair enough. I don't see why not. It makes sense tout d'un coup. Mais honnêtement, si vous voulez faire de la représentation, gardez-la comme ça. C'est-à-dire que le perso il est trans, voilà. On fait un indice. Et enfin l'indice. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui comprendraient pas que ça. Pourquoi il s'est appelé? Ils sont cons ou quoi? Puis pour ceux qui comprennent, bah voilà, ils ont compris, puis c'est tout. C'est comme Bill. En soi, c'est comme Bill, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est gay dans le premier jeu. Et puis c'est un détail. Enfin, c'est un détail. Oui, c'est un détail, c'est-à-dire que c'est pas grave. On s'en fiche. Ça fait partie de son personnage, mais. Wow. Voilà quoi. Vous en avez beaucoup, les hôtels comme ça dans la région? Scars, ça me plaît pas trop. Seraphites. Yeah, I was gonna say that. Hmm. It's pretty cool. What's cool? Like, impressive. Awesome. Protect them. The fuck are you doing? I wonder if your prophet had any idea what she was starting. She saved dozens of people. In ways no one can explain. She blew up trucks and killed some soldiers. Not that hard to explain. Have you read her writings? Nope. Skimmed some. You'd benefit from it. Sure.
Ouais. On va dire que pour l'honnêteté intellectuelle, c'est mieux de les avoir lus, mais nique. Oh, tellement stuff. Donnez-moi tout ça. Oh my. Alors, bombe Toyo ou plus de shotgun ammo? Je peux pas de toute façon, si. Non, je peux pas. Bombe Toyo, it is. Il y avait un truc par terre. Là. Donnez-moi ça. Merci. Encore un atelier. Oh, Jesus Christ. C'est sympa les ateliers, mais si vous me donnez pas le scrap qui va avec, je fais comment moi? C'est marrant, tiens. Vitesse de. Non, je peux juste faire la stabilité du shotgun. Nick. J'ai juste avancé histoire qu'on ait un nouveau point de sauvegarde. Et puis présu. I'll go first this time. Seriously, how high up are we going? My condolences to your son. It's an honor. He's with our prophet now. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. The elders have offered us a new child. That is a great honor. Elizabeth is grateful. I'm just not sure she's ready. The elders know what's best. Careful. Behind you. Yes. Of course. Ok. Right. Je vais m'arrêter ici. On est déjà à 54 minutes, ça sert à rien de lancer un combat, sinon je vais le finir d'ici 5 minutes, je pense. Ça fera une heure. I mean, c'est une fetch quest. C'est littéralement, va chercher ça pour faire ça, reviens ici. Je pense que ça va me prendre tout le jour 2. Puis au jour 3, ça va finir. Abby va disparaître quelque part. Ellie va venir buter tout le monde. Abby va revenir à l'aquarium. Elle va voir Mel et Owen morts. Et puis elle va faire. Et puis elle va revenir. Elle va. Je sais pas comment elle va retrouver Ellie, mais elle va la retrouver. Bah, encore une fois, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, hein. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà atteint, en termes narratifs et en termes de. Vous savez. C'est quoi, c'est audience engagement? Je sais plus c'est quoi le terme en français. En gros, l'engagement du public envers ce qui se passe. Moi, j'ai atteint le climax de l'histoire principale en termes d'intensité au moment où on était avec Ellie. Enfin, c'est complètement stupide de repartir de zéro et puis d'avoir un deuxième crescendo sur 3 jours. I don't get it. Et en plus, c'est toujours, pour moi, c'est toujours plutôt sympa parce que genre, j'ai l'impression qu'ils ont relégué tous les passages neufs en termes de gameplay et d'ambiance à Abby. Jour 1, bon, on a eu tout le début chiant avec les Seraphites, etc. Mais on a eu tout le passage en pleine nuit et en pleine forêt qui était plutôt sympa. Là, on a eu tout un passage, tout en verticalité, ça va être génial, ça, c'est neuf, tu vois ce que je veux dire, c'est nouveau. Et alors pourquoi. Pourquoi est-ce que tous les passages avec Ellie étaient aussi. Parce qu'ils n'étaient pas mauvais, mais ils étaient banals. En fait. Banaux? Banal. Je sais pas. Attendez la review que je ferai. Bon. Je vous laisse dans le prochain épisode que j'ai envie de faire maintenant, mais il faut que j'aille manger. Ça va être fun parce que j'adore la verticalité dans le jeu vidéo. Dans le nouveau Uncharted, j'adorais ça. Là, dans The Last of Us, ça va être cool aussi. J'espère pouvoir faire ça en fufu. Ou alors en butant. Pourtant, j'ai tellement de balles. Autant les utiliser. Allez, à la prochaine, c'était Asté, à plus. Ciao!